Prière à Marie pour l'Église en Asie. Ô Sainte Marie, Fille du Dieu Très-Haut, Vierge Mère du Sauveur et Notre Mère, tourne ton tendre regard vers l'Église que ton Fils a plantée sur le sol d'Asie. Sois son guide et son modèle, tandis qu'elle poursuit la mission d'amour et de service de ton Fils en Asie. Toi qui as accepté pleinement et librement l'invitation du Père à être Mère de Dieu, enseigne-nous à libérer notre cœur de tout ce qui ne vient pas de Dieu, de façon que nous soyons remplis, nous aussi, de l'Esprit Saint qui vient d'en haut. Toi qui as contemplé les mystères de la volonté de Dieu dans le silence de ton cœur, aide-nous à discerner dans notre marche les signes de la main puissante de Dieu. Toi qui t'es empressé d'aller visiter Élisabeth et qui l'a aidée au jour de l'attente, obtiens-nous le même esprit d'ardeur et de service dans la tâche de l'évangélisation. Toi qui as élevé la voix pour chanter les louanges du Seigneur, guide-nous vers l'annonce joyeuse de la foi dans le Christ Sauveur. Toi qui as eu pitié de ceux qui étaient dans le besoin et qui as imploré ton Fils en leur faveur, apprends-nous à n'avoir jamais peur de parler du monde à Jésus et de Jésus au monde. Toi qui étais au pied de la croix quand ton Fils rendit son dernier soupir, sois à nos côtés tandis que nous essayons d'être unis spirituellement à ceux qui souffrent et de nous mettre à leur service. Toi qui as prié avec les disciples au Cénacle, aide-nous à être dociles à l'Esprit Saint et à aller partout où il nous conduit. Protège l'Église de toutes les puissances qui la menacent. Aide-la à être une image vivante de la Trinité très sainte. Prie pour que, par l'amour et le service de l'Église, tous les peuples de l'Asie puissent connaître ton Fils Jésus-Christ, unique Sauveur du monde, et de goûter la joie de la plénitude de la vie. Ô Marie, Mère de la nouvelle création et Mère de l'Asie, prie pour nous, tes fils, maintenant et toujours. Amen.